Salut à tous, donc je vous avais laissé devant ce mystère, et c'est le cas de le dire puisqu'on va utiliser justement les graines mystère. On se prépare. Bon, ça fait la musique des mini-boss, mais en fait c'est un simple serpent. Hein. Et voilà. Et on obtient le premier joyau. Merde. Joyau croix. Voilà. Et donc faut trouver les 4. Donc si vous vous rappelez bien. Ah, je me vois encore de quoi. Voilà. Donc ils sont à ces emplacements là. Mais avant d'aller récupérer le suivant, je vais faire un petit truc. Alors ouais. Parce que la dernière vidéo, j'avais oublié un truc. Ah, ça fait du bien de retrouver Zelda, hein, parce que c'est le seul jeu que j'arrive à filmer sans trop de lag. Parce que même FF6 maintenant, voilà. Parce que vous le voyez assez tard ce jeu, mais je l'ai commencé à l'enregistrer bien avant d'avoir fini FF6. Quoi. Donc oui, j'ai oublié d'aller là, voilà. La dernière vidéo, j'avais... Ah mais, putain ouais. J'avais pris un truc dans une caverne, mais il y a un truc encore plus important que j'avais oublié. Voilà, l'été. Hop. Alors, attendez que je retrouve l'endroit, quand même. Je me suis encore gouré. Oui, je me suis gouré. C'est pas là. Bon. Alors attendez. Alors. Ça doit être là ou là. Ouais, c'est ça. Alors comment on y va déjà? Ouais, c'est bon, je viens de me souvenir. J'ai fait de la merde. Je vais passer par l'autre côté en fait. Donc là je suis obligé de remettre ça. Donc ça j'ai oublié d'y aller. Donc si on se lève ce rocher, vous avez deviné, on va tomber sur une caverne. Voilà. Donc il suffit de suivre. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Donc juste faire attention à ça. Et voilà, un quart de cœur après loupé. Non ouais, bon. Plutôt faire avec la plume, parce que sinon ça va pas aller. Putain, là je suis un peu perdu parce que je vous l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas enregistré Zelda, donc je me rappelais plus où j'en étais. Enfin je vais me suivre à mon instinct. Hein. Ma fille à mon instinct, pardon. Normalement je devrais retrouver la route. Alors déjà. 1, 2, 3, 4, 5. Ok ouais. J'étais donc au 6ème rang. Bon heureusement que je sais qu'est-ce qu'il faut faire, donc je vais suivre. Je vais suivre les joyaux. Hein. Thank you.
Là, j'ai limite fait une dépression, enfin j'exagère, mais c'était presque ça. Parce que bon, c'est un peu con, mais juste à cause de... que je pouvais plus enregistrer mes vidéos, quoi. Parce que j'ai formaté le PC. Mais malheureusement, ça a rien changé. Je mets tout le temps autant de temps, enfin... Bon. Ça lag tout le temps autant, donc... j'arrive même pas à faire la fin de F6, enfin... De toute façon, vous, vous l'avez déjà vu, hein, à ce moment-là. Voilà. Donc ça, ce joyau rond, en fait, on peut l'avoir que si on a les 5 essences. Donc c'est pour ça qu'on peut pas faire le 6ème donjon avant le 5ème, quoi. Après, il y a quoi faire. Est-ce que je suis déjà allé chercher le joyau, là-bas? Pas le joyau, le quart de cœur. Non, ok. Ça me fera un cœur supplémentaire, juste que je retrouve... je retrouve la souche. Bah, parfois c'est un peu chiant, faut aller assez loin. Ah, de toute façon, moi je préfère Aegis, vous l'avez compris. À tout point de vue, je préfère Aegis, quoi. Bon, graphiquement, c'est moins beau. Enfin, c'est le même graphisme, mais c'est moins coloré, quoi. Et j'aime bien l'ambiance, justement, ça fait... Enfin, c'est plus... Je sais pas comment dire, c'est plus... c'est plus dramatique, parce que là, bon, les saisons sont en désordre. C'est pas trop un problème, hein. Enfin, je trouve ça un peu con, on s'en fout, quoi. Bon, ok, je me suis gouré de saison. Putain, ça commence bien. J'avais même pas le temps de sortir. Non, ça marche pas, je croyais que ça marchait bien. Au moins on aura ça. Hein. Donc ouais, j'ai fait un truc complètement débile. Ah bah non, c'est bon. On a le jeu au carré. Je savais même pas qu'il y avait un jeu ici, j'ai vu le truc. Enfin bon. Non, il faut que je remette une autre saison. Mais attendez, quelle saison il faut mettre pour passer ce truc? Printemps, peut-être. Ouais. J'en sais rien du tout en fait. Ok. Ça pour ça. Ouais, j'ai remarqué parce qu'en fait toutes les vidéos de Zelda que vous avez vues avant celle-là, j'ai toutes faites d'un coup sans regarder ce que ça a donné, quoi. Enfin, j'enregistrais, je regardais pas s'il y avait des défauts, quoi. J'ai vu que le temps, bon, enfin quand je passe un écran comme ça, ça fait un espèce de petit lag, mais hallucinant le truc. Donc ouais, je sais pas si ça, si c'est toujours le cas là, mais bon. Donc moi je trouve pas ça énormément grave, mais... Bon, c'est un peu chiant, quoi. Enfin, je dis ça, mais bon, Golden Sun c'était bien... voilà. Ça laguait bien aussi, hein, les dernières vidéos. D'ailleurs, pour Golden Sun 2... désolé, ça a rien à voir avec mon PC, mais... c'est quasiment impossible à émuler Golden Sun 2 parfait, quoi. Enfin, c'est à dire que ça lag pas. Oh putain, ils ont pas fait le truc le plus proche. Ok, en plus le truc au long, quoi. Bon, je pense plus qu'à espérer qu'il y a un truc à côté. Ouais, donc Golden Sun 2, on a eu, c'est foutu, sauf si un jour ils sortent un très bon émulateur. Un très bon émulateur qui puisse émuler parfaitement, quoi. Parce
que là, dans tous les cas, ça lag, mais rien à voir avec mon PC. C'est pareil pour tout le monde. Ou alors, je trouve un autre émulateur qui fait pas laguer Gunmetal 2, mais les graphismes sont un peu bizarres, en fait. Enfin, c'est pas aussi performant, quoi. Donc bon, je vais voir ça. Je dis ça, et si ça se trouve, au moment où vous voyez cette vidéo, vous avez déjà Golden Sun 2 sous les yeux, mais bon. Comment il peut avoir un joyau là-dedans? Ah ouais, je vois, ouais. Putain, j'aurais dû y aller plus tôt, quel con. Enfin bon, je pouvais pas savoir, j'avais pas encore la carte. Est-ce que j'ai le bouclier niveau 2 là, ou quoi? Ah, il est encore niveau 1! Oh putain, j'ai rien foutu, bordel! J'ai le minerai et machin? Ah, bah d'accord. Bon, il va falloir que je retourne à ce brosier alors. Donc voilà, vous avez vu, il faut plonger à l'angle nord-est. Et on trouve le joyau. Et voilà le dernier. Attendez. Si, ouais, c'est bon. Par exemple, là dans Edge's, on a un costume de sirène à la fin. Il n'y a plus besoin de Brunea. On appuie rapidement sur les touches directionnelles et on va beaucoup plus vite, quoi. Bon, il y a aussi un anneau qui permet d'aller plus vite, mais bon. Pas trop d'intérêt. Alors, où est-ce que. Je sais plus du tout où se trouve le truc. Non. Oh là là là. Je suis paumé, je sais plus où il faut aller mettre le joyau. Ça doit être le boxeur là. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est là-dedans, mais. Ouais. Oh, bon, dans tous les cas. Je vais me téléporter. On va être par là. Hein. Alors vous allez voir, Maple au bout d'un moment elle a un aspirateur. Et si on continue le jeu encore plus longtemps, mais bon, faut vraiment continuer quoi. Elle a une soucoupe volante après. Merde, je me suis gouré. Voilà. Putain, l'anneau juste à côté d'elle. C'est quasiment jamais impossible de les avoir parce que elle est toujours avant nous quoi. Ouais, voilà. Elle les prend toujours en premier. Voilà. Je sais que c'est vers le nord les joyaux, mais où? Où ça exactement? Je sais plus trop. Alors est-ce que c'est pas ça? Ça je crois que c'est le château d'Onox. Comme ça c'est le moyen de vous montrer qu'on peut pas. Ouais, c'est le château. Vous voyez, on n'a pas toutes les essences. Hop. On se fait expulser. Donc, ouais, toutes les essences, elles servent à que dalle, juste à rentrer dans le donjon, quoi. Quel con. Ouais, je suis paumé. Hein. Putain, je vais pas avancer la vidéo là, c'est pas bien. Il faut que je trouve l'endroit du truc. Putain, mais j'ai plus aucune idée d'où ça se trouve le truc. En tout cas, j'ai pas de grain de vent, je peux pas passer. Oh là 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 là. Ça va pas du tout ça. Non, c'est pas là, c'est sûr. Putain, pourtant, je suis sûr que c'est pas loin le truc. Hein. Mais où est-ce que c'est? Je m'en rappelle plus. Là y'a Ricky, non.
Ça sent pas par là. À la prochaine fois, je regarderai le plan avant de faire de la merde comme ça. Putain, je viens de me rappeler. C'est près où, de là où il y a les corbeaux. Alors, où sont les corbeaux? Corbeaux, corbeaux. C'est pas là où peut-être? Non. Je me rappelle qu'il y a des corbeaux juste avant. Enfin, là, vous devez vous dire, mais putain, mais. Qu'il fasse des tests avant de faire ces vidéos, ce con. Et vous avez raison. Putain, je sais plus. Oh, chier. Une caverne ici. Bon. Comme ça sera déjà. Oh, ok. Putain, mais. Oh, trop con ce kangourou de merde là. La musique est trop forte, bordel. Bon, bah super, la vidéo super complète. J'ai récupéré 4 joyaux, génial. J'ai rien foutu, c'est pas grave. Mon vidéo légèrement merdique. Putain, mais c'est pas par là. Ah, quoique, c'est peut-être juste en haut là. Ah ouais. Ah, je crois que c'est là, ouais. Ouais, yes. C'est là. Voilà. Mais non, mais. Chier. Donc là, faut vraiment se mettre bien en face avant d'appuyer. Sinon, ça marche pas. Voilà, et là vous devez vous dire, c'est quoi ce bordel? Il y a un truc ici pour l'automne, ou alors on peut passer grâce à l'hiver, ou au printemps. Donc vous allez voir, c'est, ça paraît compliqué, mais quand on connaît en fait, on n'est pas bloqué facilement ça. Donc je vais vous laisser là pour cette vidéo. Et je vous retrouve, vous allez voir, énigme rapidement résolue. Hein. Et si je me trompe pas, il y a la forêt où on a l'épée niveau 2 dans pas longtemps. Donc voilà. Allez, salut.